Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une ouverture de figurine. Une fois de plus, c'est une figurine achetée sur le site de Figure House. Je te mets une fois de plus à côté de moi le code promo pour l'utiliser sur le site. Tu as moins 7%. C'est dans la barre d'information de toutes mes vidéos, de toutes mes chaînes. Donc même EB World, EB Otaku Hentai, d'autres futures chaînes YouTube éventuellement ou anciennes chaînes YouTube, tu as le code promo dans toutes les barres d'infos. Juste, je vais te montrer quand même la taille du colis et je vais juste te raconter une petite histoire. T'as vu quand même sur la chaîne que j'ai commandé bien au moins déjà 10 fois minimum sur le site de Figure House. Et bien figure-toi qu'ils ont réussi à perdre mon colis entre temps, enfin pas Figure House, la poste. Mais sauf que les colis, il y a toujours la même adresse. J'ai pas déménagé encore. Hein. Donc, et là, alors pour cause, ils ont coché le FD. Et soi-disant que le code postal était pas bon ou un truc comme ça, alors que je vois l'étiquette et tout est bon au niveau de mes infos. Donc je ne sais pas, mais enfin toujours est-il, belle blague. Sauf que j'aurais dû le recevoir samedi. On est jeudi. Voilà. Je devais recevoir samedi dernier et on est jeudi. Pour te donner une idée un petit peu au niveau du temps de retard que ça a mis. Bon, j'ai pas prévenu Figure House parce que j'avais vu que ça s'était relancé. Tu sais, parce que ça m'était perdu, enfin pas perdu, mais qui s'était barré dans le mauvais sens. Tu sais, par exemple, au niveau de la carte, au lieu d'être dans la zone 33, il est allé à l'autre bout de la France. Et puis, oh bah non, c'est pas le bon code. Bah, t'es pardi. Voilà, donc bon. Bref, toujours est-il. Voilà, alors ce qui est bien aussi c'est que Figure House, alors je vais essayer de te cacher ça comme je peux, on va prendre ça, on va prendre un manga, mais il y a écrit fragile, alors le découpage là sur le trait sur le fragile, sur le côté c'est moi avec le ciseau qui ai fait une rature, mais bon voilà, enfin, bref toujours est-il, hein, je vais pas, alors une fois de plus c'est bien protégé, je te montre, voilà voilà, et c'est une... Pop-up parade, ouais, c'est ça, c'était... D'accord, donc il m'en manque toujours une, je crois. Donc, toujours le petit mot. Alors, je te le remontre. Si, normalement, il n'y a pas très longtemps, je t'ai fait une vidéo aussi, ouverture de figurines. Moi, il y a quand même quelques temps entre. Pas beaucoup, mais voilà. Et donc, tu as leurs réseaux sociaux, à savoir qu'ils ont aussi TikTok. Là, tu vois, il y a Facebook, Twitter, Instagram, mais depuis, ils ont TikTok. J'ai oublié de leur dire l'info, tiens. Ensuite, donc, j'ai le papier de la facture sans le prix. Donc, c'est bien la figurine de Rem que j'ai. Donc, c'est Rem de Re:Zero. Oui, Re:Zero, j'ai eu un doute. Oh, purée. Donc, voilà comment est protégée la figurine. Hop. Je sais même plus où mettre mes affaires parce que j'ai encore les deux autres figurines que toi t'auras sûrement vu mais que moi j'ai pas encore fini de tourner parce que je n'ai pas fait le fast-tab, enfin le fast-tourner tout simplement parce que j'attendais de recevoir cette figurine en me disant comme ça je filme les trois d'affilée. Parce qu'il y a tout mettre en place, faire filmer pour le, comment dire, version appareil photo comme là, avec le, voilà, il y a filmer avec le téléphone et y a faire les photos pour Instagram. Donc à chaque fois je repousse toujours à la dernière seconde, tu vois. Donc là on est jeudi, la prochaine vidéo c'est samedi, c'est de la première figurine que j'ai ouverte, voilà, et je vais faire ça sûrement demain soir à la dernière seconde, tu vois, ce qui est génial. Ah, je peux pas me le permettre demain soir à la dernière seconde, si on est demain, on est vendredi, non je peux pas, donc il faut que je fasse ce soir. Youpi. Elle est trop mignonne, elle est trop belle. Alors il faut savoir que ça je l'ai dû, alors toutes les figurines là que je t'ai montrées ces derniers temps et dont celles qui me manquent, j'ai dû les précommander genre en septembre ou octobre, un truc comme ça, ou peut-être même plus loin, je sais plus. Bref, toujours est-il, donc depuis j'ai pas revu les images des figurines etc et autres, donc ça fait une éternité, elle est trop belle. Donc je te montre vite fait comme ça, voilà, avec la boîte toujours... Alors, d'un côté, j'aime bien les boîtes comme ça, où c'est tout en transparence, parce que, bon, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais t'es pas obligé de l'ouvrir pour l'exposer ou pour l'avoir. Mais en même temps, c'est triste parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'image, c'est pas... Je suis mitigée pour ces boîtes-là, en fait.
Là, il y a une odeur. Il y a une odeur de plastique, mais plastique, tu sais, comment dire? Plastique slash hôpital. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, c'est plastique d'hôpital en gros. Oui, bah, vu le nombre d'opérations que j'ai fait, hein, de chirurgie tout court ou chirurgie esthétique, l'odeur des plastiques d'hôpitaux, je crois moi, je le connais. Et c'est vraiment une odeur de plastique d'hôpital. C'est bizarre. Ah, ça me donne la nausée. Oh, ça, je me sens pas bien là. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas te faire de malaise, mais c'est vrai que je me sens pas. Ça me sent pas ouf là. Oh! Heureusement que j'ai la bougie de l'abonné. Tu vois pourquoi j'ai flippé. Qui est pas loin, que je vais allumer après. Parce que là, très clairement. Alors j'adore, par contre c'est pas parade. Parce que tu n'as pas de montage. Tu as directement Rem dans son entier. Tu as son socle. Et puis c'est tout. C'est tout. Ah oui, si jamais... les premières figurines que j'ai achetées, il y avait pas mal de montage. Surtout à cause de Miku hein, et ses couettes. Voilà, et je crois que je suis allée la mettre directement dans la pièce à côté, qui est derrière, où il y a les figurines et tout ça, les mangatech. Et je vais aérer la pièce, parce que très clairement, ça pue. Oh, l'horreur. Oui, je devais déjà aérer la pièce, alors ça fasse une pierre deux coups, quoi. Voilà. C'est trop mignon parce qu'il y a même un petit nœud là au niveau de sa chaussure. Je sais pas si on le verra, un petit nœud bleu. Vas-y. Quand je vous disais qu'elle ne tenait absolument pas, c'est qu'en fait j'ai arrêté de la tenir par le soc et je l'ai tenue par son corps et voilà, ça ne tient pas du tout. Voilà, voilà, j'aurais intérêt à faire ultra gaffe quand je vais déménager. Cette vidéo ouverture de figurines est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Je viens de capter seulement maintenant que j'avais les cheveux bleus comme Rem, même si c'est pas la même teinte. Donc ma vidéo est à présent terminée, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire quel est ton personnage de la série préféré, n'hésite pas à me dire si tu aimes ce personnage juste dans son esthétique. Ma précédente vidéo ici, de figurines, la playlist des ouvertures de figurines, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, plus de réseaux sociaux, plus d'informations, des codes promo pour beaucoup de sites, et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!